Black Lines. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur Guerre, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Bon, mon skin est totalement buggé. Normalement, ça aurait dû être Connor de Assassin's Creed 3. Mais voilà, aujourd'hui, je vais revenir sur la map que j'ai faite, que j'avais déjà présentée. Ça doit faire 6 mois, c'est la deuxième vidéo de la chaîne. Avec mon barrage que j'avais présenté et cette map, qui est ma map personnelle que j'ai moi-même construite de A à Z. Donc, tout a commencé de cette arche qui était d'abord en pierre et après je l'ai modifié. Tout a commencé d'ici, pour ceux qui ont déjà vu la vidéo, ça s'y était pas, les villes là, les villes qui sont là n'y étaient pas non plus. On va faire le tour de toute la map ensemble. Donc tout a commencé ici, donc après j'ai fait une sorte de... Alors ici ça va être une gare à trois voies, donc alors c'est trois échéances comme on appelle ça en fait. Vous avez trois chances, sur ces trois chances, vous pouvez ou soit aller dans une ou deux et ensuite ça peut vous ramener sur toutes les directions. Enfin, faut que je m'en occupe, c'est assez long à faire ce genre de gare. Ensuite ici on a deux maisons qui se bataillent, donc c'est les deux premières maisons que j'ai faites de la map. Donc avec les PNJ et la police, comme j'appelle ça, puisque ça jette les zombies, mais vu que je l'ai remis en peaceful, parce que j'en ai marre que les mobs spawn et fassent du bruit, j'ai enlevé. Enfin, ça pue rien, mais voilà, c'est les deux premières maisons de la map. Alors c'est vraiment des maisons horribles, parce qu'il faut savoir que quand j'ai repris quand j'ai été sur Minecraft pour faire cette map, j'avais pas joué depuis plus d'un an à peu près. Ça fait bien un an que j'avais pas joué à Minecraft, que j'avais plus comment faire des maisons. Et puis je suis arrivé sur la colline là, donc il y avait plus de place, et j'ai commencé à faire des maisons comme à l'époque. Alors là vous voyez comme quoi il y en a deux tailles. Et j'avais encore un peu de mal, je savais pas trop encore ce que je faisais, ça faisait longtemps. Mairie en construction. Ah, j'ai encore ça à faire. Je peux même pas monter. Ah si, là. Voilà, donc pour vous dire, ça fait... alors là j'entame ma deuxième année de jeu sur... Alors vous savez pas, un an jour pour jour, enfin je veux dire il y a un an j'ai commencé à jouer, sauf qu'entre temps j'ai pu jouer pendant un petit bout de temps. Et donc là c'était l'hôpital et au-dessus normalement il y a le truc d'hélicoptère, voilà. En la piste, donc là encore des maisons. Donc là on va continuer, donc là un tunnel que j'avais creusé à la main. Puisqu'il faut savoir que toute la map a été faite à la main, donc avec ma souris un par un comme ça. Donc là le pont là aussi que j'ai jamais terminé, j'ai jamais fait les piliers qui avaient en dessous, j'ai jamais rien fait dessus, j'ai même pas mis les torches. Il faudrait que je pense à le faire. Ça ramène ici, donc là on va partir là. Donc là on a le barrage qu'on ne présente plus. Il me semble que j'avais déjà tout présenté, donc là on a la map qui a bugué. Voilà quoi, donc toute la map, je veux dire les constructions que j'ai faites est là-dessus. On peut voir en quoi ça c'est vraiment la plus longue route que j'ai faite. Donc là pour ceux qui s'en rappellent, la mise en service. Normalement là l'eau descend. Donc là on est en volet canal avec répéteur. Je sais plus du tout. Je sais plus si je l'avais activé, parce qu'il y a pas longtemps j'ai activé mon barrage pour vérifier que le truc marchait encore. Ok, donc là on est en normal puisqu'on passe pas par les côtés. Donc pour ceux qui s'en rappellent, le barrageage je l'avais déjà présenté. Et donc là si je fais ça, que je fais ça là. Non, c'est que je fais ça. Voilà le petit lag. Ouh, je passe de plus de 100 fps à 60-50, ouais c'est pas beaucoup. Ah, il en manque un, non? Non, c'est ça. Et donc là ça ne passe que par les côtés. Voilà, c'est comme quoi j'ai pas attendu j'ai pas attendu que lui se ferme, enfin bref. On va éteindre l'eau. Donc pour ceux qui voudraient revoir à quoi ça ressemble, c'est plein de repeaters ici, enfin c'est un beau petit bordel. Donc on reviendra à la fin de la vidéo. Ici on a encore une ville que j'ai faite, un petit village avec ma première belle maison, comme je les appelle, les maisons comme ça. Ensuite là, ça c'est mon dernier projet. Alors oui, donc j'ai pas parlé du pont, donc c'est le premier pont que j'ai fait avec le tunnel. Mais là c'est mon projet que j'ai entamé il y a pas longtemps, c'est une usine à bois. Donc là c'est un immense bâtiment. Je vous mettrai des screens pendant que je suis en train de présenter.
comment j'ai fait quoi, enfin au tout début en fait il y avait plein d'armes mais je l'ai pas pris en screen, j'ai tout fait brûler donc avec les poutres et tout, j'ai tout fait brûler et petit à petit j'ai construit bloc par bloc les murs tout, et je trouve que ça rend plutôt bien. Le plus long ça a été de faire ça quoi, tous les 5 mètres ça. Ça c'était pas encore plus long, je crois que c'est bien les escaliers ici. Pour vous dire, il y a plus de 3 ou 4 000 escaliers, je sais plus la superficie exacte. Mais sur plus de 3 000, c'est franchement le toit, il est énorme. Tout bâtiment, d'avoir détruit le sol, tout. J'en ai eu à peu près pour 12 heures de jeu, quoi, pour tout faire. Alors, c'est pas énorme, j'étais encore assez vite. Donc là, il y a l'arbre qui a toujours du mal à charger. Et qui, voilà, qui... En gros, c'est un arbre qui est très haut de nature, en fait. Je sais plus comment... Si j'avais mis 4 pouces l'une à côté des autres. Enfin, 4, quoi. Et j'ai bourré de bonnes milles, ça fait quoi, il a pas voulu pousser. Normalement, ça doit pousser pas plus haut que ça, quoi. Et le truc, il a été bien plus haut que début. Donc là, on va arriver ici, pour ceux qui connaissent, qui ont suivi ma chaîne. Alors, si vous m'entendez nifler, c'est parce que je suis malade et qui ont quoi, c'est le matin. Il est 9h du matin, un jour de vacances. Donc là, on a une sorte de petit village que j'avais fait pendant les vacances. Alors, c'était il y a longtemps. Ici, un barrage. Très chiant à faire parce que... En fait, j'avais fait tout le tour là, mais... Il a fallu que je fasse une couche au niveau des blocs là. Donc, pas celui-là, mais celui d'en dessous. Mettre l'eau et redétruire tout. Vraiment, un truc à la con. Qui sert à rien, en plus. Donc l'eau arrive ici et il me semble qu'elle doit sortir quelque part par là, ouais voilà. J'avais fait descendre tout ça et là elle descend par là. Donc là on va aller voir mes maisons à moi puisque là-bas c'est pas à moi. Je vous expliquerai quand on y sera. Donc là on a une maison qui va être construite, que j'ai commencé, enfin ça va être fait. Là on a une petite maison, c'était mon premier test de villa quoi, de maison jolie quoi. Ici voilà, donc c'est vraiment une maison très simple. Hop. Donc là c'est des petites chambres, c'est vraiment étroit, vous pouvez voir en quoi c'est assez étroit. Il n'y a pas beaucoup de place. Et le truc c'est que au moment où je voulais faire une autre maison avec Darknef, maintenant qu'il ne participe plus à la chaîne puisque son PC n'est pas en mesure de pouvoir filmer, on a créé la chaîne et je me suis dit je vais en faire une nouvelle, encore mieux que ça, mais grande, et pourquoi pas faire une série. Donc il y a les épisodes, alors il n'y a pas tous les épisodes parce que j'ai pas pu tout tourner parce que à un moment voilà quoi, ça faisait pas les vues, puis enfin au début je voulais vraiment les vues, mais depuis j'ai quand même bien changé, et puis même j'ai eu des problèmes au niveau Minecraft, car pour ceux qui le savent, j'ai changé ma carte mère, j'ai des problèmes de sauvegarde, tout ça. Enfin bref, il m'a fallu 1, 2, voire 3 bons mois pour bien tout mettre. Alors j'avais fait une vidéo quand j'avais eu mon PC, comme je l'avais fait. Mais juste après, j'ai eu des problèmes au niveau de frappe, ce qui ne marchait plus. Mon micro qui ne marchait plus non plus. L'affichage, j'en parlais pas. Sachant que j'ai changé ma carte graphique. Enfin bref, plein de trucs. Et je pense que la maison que je commence là, ça va être la saison 2 de construire ta maison. Enfin de constructeur dans l'extrême. Et on fera ça ensemble. Et donc là on va repartir au barrage pour je vais vous montrer donc le barrage. Voilà, donc cette vidéo ça me permet aussi un peu de vous parler de la chaîne, tout ça, même si on n'est pas beaucoup, vous êtes 14 abonnés, c'est déjà pas mal, enfin pas mal, c'est sûr c'est pas beaucoup, mais je me dis qu'en quoi ça montera peut-être un jour. Hop là, les petites étoiles filantes. Et ouais voilà, que ça me permet un peu de vous parler au niveau de ce qui m'est arrivé. Donc là on va voir au niveau des pistons, donc là vous voyez en quoi les pistons sont soulevés. Et là on a une grande anecdote, c'est que... à l'heure actuelle je sais plus, mais je veux dire en fait tous les temps en fait... la réaction ne va plus jusqu'au bout, et si on met un répéteur ici ça fait une boucle. Et j'avais trouvé le moyen de remédier à ça pour que ce soit que des répéteurs. Mais je m'en rappelle plus. Du coup au moment où j'ai fait ça je savais pas du coup. J'ai mis un circuit à part et qui repart, et en fait là on a le circuit donc avec répéteur ici, sans, on avait même le test. Et par contre je sais plus du tout comment on fait pour faire qu'il n'y ait pas besoin de faire ça quoi. Et du coup je m'étais bien amusé.
Mais à l'heure actuelle, je sais plus du tout parce que sinon ça fait une boucle et on peut plus désactiver quoi, ça garde le courant. Ensuite, on a. Alors, je sais qu'on peut passer par là normalement, mais on s'en bat les couilles. Je sais qu'on peut passer par là aussi. Ah, donc là, c'est au niveau de l'eau. Alors, c'est assez compliqué en fait. Enfin, compliqué, oui, non. On a ici les dispensers, c'est comme quoi il faut une double impulsion. Du coup, quand j'appuie sur le bouton, ici ça éteint, mais ça allume ici quoi. Ça éteint, ça allume, ça fait une double impulsion. Et ça s'en met à zéro et bah, ça marche. Et donc là vous voyez, donc, ah oui donc voilà c'est ça en fait. C'est que, voilà donc en fait faut pas faire la... En fait je faisais ça et je fermais ici du coup ça faisait une boucle. Mais là quand on fait ça, quand on fait une ligne parallèle, bah voilà quoi. Donc en faisant cette vidéo j'ai pu me rappeler comment qu'on faisait ça, bon ouais c'est super. Et là si, voilà si on passe par là, on peut atteindre... On peut atteindre l'autre salle, donc ici c'est là où ça remonte... Ça remonte à ça le contrôle. Et voilà, donc ça c'est terminé. Donc voilà, c'était le petit tour de map. Donc début 2017, on en est là. Donc la map va évoluer, ça c'est vraiment sûr. J'ai pas mal de choses à finir. J'ai les poteaux à mettre sur le pont là. Ici j'ai l'usine à terminer. Et plein d'autres idées encore. Et sur ce, bah je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.